Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai décidé de refaire une petite vidéo en accéléré. Voilà, je sais que certains d'entre vous, ça vous avait bien plu. Donc j'ai décidé de faire ce petit cahier-là. Donc je vais vous montrer, c'est un cahier que ça fait un moment que j'ai en stock, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de cahier parce que j'en avais fait 2-3 et puis pour l'instant je m'en servais pas. Donc du coup j'avais arrêté d'en faire et puis là j'ai eu une idée. Donc voilà, le cahier c'est celui-ci. Donc c'est un mandala. À l'intérieur donc ce sont des pages blanches. Et donc en fait voilà, j'ai décidé de faire ce carnet. Donc déjà pour faire une vidéo avec vous, hein, comme ça, ça nous refait un petit truc que ça fait longtemps que j'avais pas fait. Et ensuite, deuxièmement, parce que je commence à avoir plusieurs cartes voilà, de mes abonnés. Donc, c'est des petites cartes de remerciement. Je vais vous montrer. Donc, je ne les ai pas toutes prises. Mais j'ai celle-ci. Donc, ça, c'est Stéphanie qui me l'avait offert. Voilà, elle est magnifique. Elle est diamantée. Ensuite, j'ai celle-ci. Hop. Donc, que je me rappelle. Ouais. Alors, ça, c'est... je ne vais pas dire son prénom parce que je ne sais pas si elle le veut. Mais c'est la personne qui m'avait lancé le défi. Vous voyez, la carte, elle est magnifique. Hein. Le défi avec le... Ah, j'ai un trou. le défi avec le l'oiseau. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Vous savez, c'est le défi. Donc, c'est le premier défi que j'ai relevé. Elle m'a envoyé une toile, donc avec des diamants qui ne correspondaient pas. Et il fallait que je réalise cette toile avec mes restes de diamants. Voilà. Donc, du coup, elle m'avait envoyé une petite carte avec ce petit DP. Donc, je l'ai gardé, bien évidemment. Et puis, donc, ce défi, je l'ai fini. Donc, là, il me reste encore... Alors, justement, Stéphanie, du coup, c'est la deuxième. Elle, son défi, donc, qu'elle m'a lancé, c'est... voilà, c'est bien marqué. C'est un défi que je te lance. Faire ce DP de 60 par 50 en réparant les rivières. Voilà. Donc, ce défi-là, je vais le réaliser certainement en début 2021. Pour l'instant, j'ai dit à Stéphanie, je suis désolée, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai tellement de projets entre les partenariats, les cadeaux pour Noël, les toiles de Noël qui arrivent, la toile de... Enfin voilà, j'ai plein de choses. Donc du coup, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, pour l'instant, donc j'ai eu ça et j'ai aussi eu cette petite carte-là. Donc pareil, je vais pas dire son prénom parce que je ne sais pas si elle veut. Mais voilà, donc c'est une de mes abonnées qui m'a envoyé cette petite carte-là. Donc vous avez vu, elle est magnifique. Elle l'a fait elle-même. Vraiment magnifique. Et elle m'a envoyé cette petite carte-là pour remercier donc, du concours des 1500 abonnés. Voilà, elle avait gagné, si je ne me trompe pas, c'était un pilulier. Ouais, c'est bien ça. Et du coup, voilà, pour me remercier, elle m'a envoyé une petite carte. Donc, je sais que Stéphanie, elle m'en a envoyé une deuxième diamantée. Donc, je l'ai de côté. J'ai une autre carte, je crois, aussi d'une abonnée. Et je crois que j'en ai une dernière qui devrait pas tarder à arriver. Une abonnée qui voulait m'envoyer une petite carte pour me remercier. Du coup, ça me touche vraiment, hein, toutes ces petites cartes faites main et tout. Enfin... Voilà, je me vois pas les jeter, puis les mettre au fond d'un tiroir, je vois pas à quoi ça sert. Donc du coup, pour garder tous ces souvenirs, eh bien, je vais les coller dans mon cahier. Voilà, et donc du coup, alors les petites cartes, je vais les mettre de côté pour l'instant. Voilà, je les collerai dans le cahier, hein. Bien évidemment, vous, ça c'est plus personnel, voilà, c'est pour moi. Mais vous, ce qui va vous intéresser, c'est voilà, de faire ensemble ce petit cahier. Donc, on va faire la mise en place des diamants comme ça, en direct. Et après, vu que c'est assez long quand même à diamanter, je vais tout faire en accéléré. Comme ça, voilà, il n'y aura pas de parole, il n'y aura rien du tout. Mais vous verrez la création de A à Z en accéléré. Comme ça, la vidéo ne durera pas des plombes. Alors, donc, on avait quoi? Donc, on avait un petit toolkit de base avec deux sachets dedans. Et les petits diamants. Voilà, donc la pochette, je la garde. Ça sert toujours.
Je vais même mettre mes petites enveloppes dedans pour pas qu'elles soient abîmées. Voilà. Il me faut un petit pilulier rond. Donc, j'en ai vidé un. Et vous voyez, j'ai mis des étiquettes dessus. Alors, elle commence à s'effacer. Il faudrait que je réécrive, mais de 1 à 8. Et c'est ce que je vous disais, hein, c'est très pratique ce genre de petit pilulier-là. Parce que vous voyez, bah, par exemple, celui-ci, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Normalement, ça devrait suffire. Alors, bah, il y en a 8. Voilà, donc c'est nickel. J'ai pas besoin de me taper les grands piluliers. J'ai juste besoin de ça. Et voilà. Donc, c'est parti. Numéro 1. Alors, en 1, on a des perles que j'adore. Voilà, des perles comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, en numéro 2, on a des petites gouttes dorées assez claires, on va dire. Voilà. Si je me souviens bien, ouais, c'est ça. Il est... Ah ouais, non, je croyais qu'il était plus orangé que ça. Ce cahier, il a l'air d'être dans les teintes roses et orangées. Voilà. Enfin, c'est dans des teintes chaudes, hein, jaune, orange et rouge. Voilà. Ensuite, alors celle-ci, c'est pareil, je les adore. Ce sont des gouttes, mais elles ne sont pas transparentes, celles-ci. Voilà, elles sont comme ça, elles sont magnifiques. Hop, je vais voir pendant la vidéo si je peux vous rapprocher ou pas. Mais c'est pas sûr, hein, parce que bah, vu que ça va me prendre pas mal de temps, déjà je sais pas si je vais arriver à faire tout maintenant, donc ça se trouve vous allez avoir deux parties dans une même vidéo bien sûr, hein. Et puis bah, vu que c'est assez long, j'ai ma tablette en fait qui est ici que vous ne voyez pas, et donc je vais regarder ma série en même temps, donc je sais pas si je vais pouvoir vous rapprocher beaucoup. Alors, les 4, donc c'est des grosses gouttes. Je vais vous montrer, elles sont trop belles. Hop, voilà. Magnifique. Avec des reflets et tout, trop belles. Ensuite, les 5, ce sont des ronds spéciaux, mais taille normale, argentés. Voilà, donc c'est la seule teinte froide qu'il y a dans ce DP. Dans ce DP, n'importe quoi. Dans ce cahier. Ensuite, la 6. Donc là, on n'a plus que des ronds spéciaux normaux, on va dire. Ce sont des rouges. Et j'en mets partout. Hop. Voilà. La 7, c'est des jaunes très clairs, on va dire, voilà. Hop. Donc surtout pendant le cahier, hein, si vous voyez hein, une coupe au bout d'un moment, c'est que je le finirai plus tard et que voilà, je vous fais tout d'un coup pour vous. Mais moi, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de tout faire d'un coup. Mais vous inquiétez pas, vous aurez tout dans la vidéo. Il n'y a pas de problème. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? C'était la 8, celle-là. J'ai fait une bêtise. La jaune, c'était la 8. Et là, la 7, c'est du rose. Et c'est un super rose, un peu fuchsia. Hop, alors attendez. Voilà. Et donc oui, la 7, c'est du rose fuchsia. Ouais, non, je pense que je vais pas avoir le temps de finir parce que dans 45 minutes, il faut que je m'en aille chercher mes enfants à l'école. Donc à mon avis, ça va être chaud. On va bien voir. Mais vous inquiétez pas, vous aurez le cahier de A à Z. Voilà, ce sera peut-être même le titre de ma vidéo, ça, tiens. Cahier Diamond Painting de A à Z. Bon, bah écoutez, c'est parti. Hop, je prends quoi comme stylet? Je vais prendre celui-là. Hop, je me prépare. Bah, c'est bon, je suis prête.
Hop. Allez, vous êtes prêtes et prêts? Et bah, c'est parti. Alors, je vous reprends 2 minutes. Vous avez vu... Non, justement, c'est bien ça le problème. J'ai commencé et en regardant donc le résultat sur la caméra, je m'aperçois que vous ne voyez rien du tout. Même quand je vous approche, voilà, bon, j'ai pas fait grand-chose pour le moment, mais vous voyez pas grand-chose. Donc, je vous reprends juste 2 minutes pour vous dire que, bah, du coup, je vais rapprocher la caméra, voilà, comme ça je vais vous mettre vraiment au-dessus du cahier pour que vous voyez ce que je fais, parce que là vous voyez rien. Voilà, donc je vous relaisse, et je vous laisse regarder la suite.
Thank you.
Donc voilà, ça y est, on a fini le petit carnet donc ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, voilà. Je sais que la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, ça vous a plutôt plu. Donc je me suis dit que ça allait changer un petit peu. Donc du coup, j'ai collé mes petites cartes dedans. Donc je vous montre. Hop, la petite carte de Stéphanie. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci. Et puis la dernière. Voilà. Donc, bah écoutez, je suis super contente hein, d'avoir fait cette vidéo avec vous, de vous avoir montré voilà, ce petit carnet, mes petites cartes. Je voulais vous montrer, donc il me reste pas mal de diamants. Hein. J'ai pas du tout manqué de diamants, j'ai quasiment pas eu de déchets, donc sincèrement, voilà, nickel. Et puis, bah du coup, vous avez vu, hein, il est un petit peu plus rose que ce que je pensais. Mais bon, il est très très beau, il est très brillant. Voilà, il me reste plus qu'à le vernir et puis fini. Donc voilà, donc, bah, comme je vous ai dit, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut !